Regardez comment ça a l'air bon, c'est un Rice Krispies au score. C'est terrible. C'est une guimauve. Chaud, on s'est trouvé une invention. Fichi, mon amour. Fichi. Ouais. Puis on change pas tout. Je suis en train de faire les plans de la salle. On essaye des petits plans, là, comme toutes de façon. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour mes talents de dessin? Et finalement, j'ai trouvé un site, puis j'ai tout fait ça. Donc, ça va mieux. Hello, hello! Bonjour, bienvenue dans un nouveau vlog. Vous avez vu des petites parcelles de ma journée? Vraiment très peu, je crois, hier. Mais là, on est... c'est ça. Donc là, on est dimanche. Bonjour, bonjour. Je me suis dit que je pourrais vous faire un petit coucou. Juste en attendant que Francis arrive pour dîner. Pauvre petit cœur, ces jours-ci, c'est difficile au magasin. Si on passe à travers deux semaines ici, on va être capable de passer à travers de tout. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais Jean-François, c'est comme tout seul, avec comme deux, trois employés max. Tout le monde ne va pas. Donc, je vais dire ça comme ça. Mais donc, ça va mal. Ça va mal. Puis, si Francis passe à travers... je pense qu'il va avoir besoin de dormir un 24 heures pour comme surmonter la pente, mais ça n'a pas de sens. Là, il va en arrière, il va pas prendre, il fait des ballons, il fait ci, il fait ça. Pauvre petit amour. Donc on dirait hier, j'ai comme pas beaucoup vlogué juste parce que quand il est arrivé, je voulais faire un petit dîner, un petit souper, je voulais comme vite fait, bien fait, genre il mange 15 minutes, il s'en va de nouveau. Donc, pauvre petit amour, puis le soir, ben, il essaye de se reposer le plus possible quand il arrive à 10h. Donc, on écoute des films. Mais sinon, c'est ça, j'ai pas fait 1000 choses hier, mais j'ai quand même fait, j'ai quand même eu une belle petite journée. Malgré que mon petit pip travaillait pitché comme un fou, moi j'étais là, je faisais hihi, haha, j'allais au marché. On dirait que je me sens mal. Quand j'ai beau travailler demain, j'ai la lampe qui coule ici. Donc, pauvre amour, tout devrait mieux aller, là, genre, la semaine là, qui s'en vient. Et d'avoir plus de gens qui commencent à arriver, puis ça devrait être un petit peu mieux. Donc, j'espère qu'il puisse prendre une petite journée, puis comme dormir pendant 24 heures. Puis, une petite journée qu'on va bien aller sur une petite roadie pour se changer les idées. Parce que c'est ça, hein? Mais ça va avec mon dernier vlog de être bien avec soi-même. C'est une chance parce que c'était une grosse semaine. Sinon, on change de sujet. Aujourd'hui, c'est la canicule. Je pense que je vous ai même montré là, le petit setup qu'on y a fait. Puis tu sais, ça n'a aucun sens comment il fait chaud dehors. Puis c'est ça. Donc là, on y a fait un petit setup. Et moi, quand il fait 35 degrés... La seule chose que j'ai le goût de manger, c'est genre des sandwichs comme aux tomates, des sandwichs aux cocombes, des petites picassiennes. Puis là, trop mini-mignon, je me suis fait un bon sandwich aux cocombes
La première fois que Francis m'a vu, Francis était comme, quoi tu fais là? On dirait, moi, j'ai tout le temps vu, genre, mon père manger du sandwich au concombre. Mais sandwich aux tomates, on s'entend que c'est ben bon. Mais tu sais, là, j'avais pas de bonne tomate fraîche. Donc, je me suis dit, un bon sandwich au concombre. Puis, j'ai mis du Philadelphia fouetté, genre, au ciboulette. Tellement bon. J'ai mis même mis meilleur que du bacon de Epicure. Ça me fait une mini source de protéines. On s'entend qu'il y a 3 grains, là, tu sais. Mais vraiment bon. Sinon, j'ai des petits craquelins. J'ai du petit fromage, de la tzatziki. Puis, passion, genre, je pense pas, je vais le dire assez de fois. Mais je capote sur les aubergines marinées depuis la salade. Je peux pas. Je peux pas en dire. Nouvelle passion. Et sinon, c'est pas mal ça. Tu vas aller manger ça. Francis devrait arriver bientôt pour manger sa petite pâte, tu sais. S'il peut venir. Ce matin. C'est un petit matin ben mollo. Déjeuner bien tranquille avec Molly. Ensuite, je suis allée chercher le parasol pour Francis. Cet après-midi, la gang. Je vais peut-être chercher mes fleurs pour le mariage. Donc, mon bouquet est fait, le bouquet des girls, les boutonnières pour les boys, tout plein d'autres choses. J'ai eu mes photos, genre, mais je peux pas vous dire comment c'est beau. Je peux pas vous dire, c'est magnifique. J'ai jamais vu des belles fleurs de même. Je capote. Donc, j'imagine tout le monde dit ça pour leur propre mariage, mais comme mes couleurs, mes tout. Les sortes de fleurs, comme tout, et wow. Je peux pas en tout. Puis, donc c'est pas mal ça. Je suis censée aller chercher ça. Hier, sinon, après ma petite escapade au marché, là, comme vous avez vu, je suis allée avec ma cousine. Et on est allé au marché, puis je me suis acheté des belles petites chandelles à Zoé. Elle est en train de brûler, là. Là-bas. Cozy Together, ça sent la limonade aux framboises. Elle a sorti comme plein de saveurs, mais comme elle a d'odeur, je devrais dire, mais elle a comme. Elle avait beaucoup de choses à faire, puis elle a dit ça. Ils sont juste là, mais comme. Tu sais, ils sont comme. Pas secrètes, là, mais c'est genre édition limitée, là, presque. Il y a juste une coupe de chaque. Donc, si vous allez au marché de Bursar, vous devriez vraiment aller voir la petite Zoé. Genre, j'en ai une aussi, la gang. Je m'en suis acheté une. Banana Cabana, je pense. Ça sent le pain aux bananes. Je viens de la brûler, genre, cet automne. Ça sent terrible. Mais ça, puis une nouvelle qui avait sorti, Vanilla, Blackberry Vanilla. Excusez, pardon. Mais sinon, c'est ça, on a mangé aussi un Rice Krispies. Oh my God, Van, si tu passes ici, c'était trop non. On a mangé ça, puis après, dans l'après-midi, je suis allée chercher le Tux à Francis. Ça, là, quand il va avoir du temps, puis tu sais, je vais essayer voir si ça y fait tout. Puis ouais, grosso modo, c'est pas mal ça. En gros ma vie, mais ouais, donc c'est ça, je sais pas qu'est-ce que vraiment je vais vlogger aujourd'hui, sauf dans le fond, j'aurais pas eu besoin de vlogger en 20 semaines, il n'y a pas grand chose qui s'est passé la gang, mais des petites nouvelles, c'était là, je pense que ça va être correct, au pire je continuerai demain, je pense que c'est ça que je vais faire, et demain je m'en vais à Tracadie, mais on verra rendu là, mais je vais essayer ma robe, donc j'ai hâte de voir, ça va être mon premier essai, voir si elle a besoin de la ratisser plus, pis tout. Pitou, pitou, bonjour petit pitou. Je suis folle. Donc, je vais aller dîner. Puis, on se reparlera probablement tantôt. On se retrouve, il est 6h30. Presque, et demi. pour les petits minutieux qui ont vu que il est pas 6h30. Bon. Et je suis en train de faire une petite pizza maison comme je fais dans les boîtes. Là. Ça me tentait pas de me casser la boîte. Une pizza en boîte, ça me tentait pas de me casser la boîte. Super. Puis, je me suis pris une petite canette de la distillerie Trois Lacs, le gin limonade rose. Je l'aime beaucoup. Puis, à chaque fois que je me vide une petite canette, genre spéciale, genre qui vient du Québec, je me sens tout le temps comme une petite YouTubeuse du Québec. Je me sens comme Claudage, puis je me sens comme Johnny. Mais dans le fond, c'est juste, ça me fait de la peine parce que je parlais justement de ça avec mes amis tantôt. Puis, en fait, j'ai une de mes amies qui a été au Québec en fin de semaine, puis elle a arrêté à la SAQ, mais on disait justement ça, comme c'est trop plate qu'il n'y a pas les produits de la SAQ, genre ici. Comme moi, j'aimerais savoir des Romeo Spritz, j'aimerais savoir ça,
du miellé, tu sais, il y en a plein, genre plein de canettes que j'aimerais essayer. Mais genre, on n'a pas. Comme je comprends pas. Tu sais, chez notre alcool à nous, il est pas là-bas, puis elle là-bas, il est pas ici. Mais tu sais, exemple, l'épicerie, tu sais, c'est juste une fraise du Québec. Mais pourquoi moi, je peux pas avoir une petite canette du Québec? Mais en tout cas, chin chin, en plus, ça match avec ma robe. Finalement, je suis pas allée chercher mes fleurs, j'ai pas eu de message. Peut-être que ça sera demain. Ça pourrait être vraiment bon, on s'entend? Elle est vraiment bonne. Genre, ma limonade sans la chandelle qui est en train de brûler. J'adore. Mais journée, c'est ça aujourd'hui. Vraiment tranquille, mais quand même productive. Il manquait genre une quinzaine de personnes que j'étais pas certaine si elle est venue au voyage. Au voyage de noces. Si elle est venue au mariage. Donc là, je les ai parlé. J'ai tout écrit ça sur des feuilles. En tout cas, là, j'ai fait comme des plans de place. Tout combien, s'assurer qu'on a assez de chaises, de tables, de nappes, de ci, de ça. On dirait à chaque jour, il y a des petites choses qui se passent. Puis de jour en jour, on dirait qu'il y a des petits crochets, là, des petits checklists. Là, qui des petits checks sur notre checklist. Misère avec mes mots. Pas habituée. On dirait que j'ai pas vlogué de la fin de semaine. On dirait que je déballe. Mais regarde, c'est pas grave. Puis, ouais, donc on dirait qu'il y a plein de choses ici et là qui s'en va sur notre petite liste, puis ça va bien. Là, demain, ça va être la robe. Sinon, ça va continuer, essayer de continuer mes petites tables. Mais je pense que je suis pas mal tout enlignée. Mais c'est pas mal ça. Mine de rien, ça s'en vient joliment vite. Et sinon, à part de ça, je pense que Francis va finir pas trop tard ce soir. On va peut-être aller chercher une crème glacée. Ça, je dis rien, je vais pas le dire trop fort pour jinxer mon petit moment. Sinon, on essaiera d'aller prendre une crème glacée demain parce qu'il annonce 35. Je vous juge, je le dis souvent, mais moi, je la chaleur, là, la gang. Genre, si vous aimez ça, 35 degrés, là, comme je sais même pas si je peux vous lever mon chapeau à ce point-là. Comme, je sais pas qui c'est qui aimait ça. Je sais vraiment pas. À part, genre, le setup de, comme, mon party piscine, là, que j'avais eu l'autre fois avec mes amis. Comme, à part, c'est un gros deck, t'as une piscine, pis tu restes dedans, pis elle est pas trop chaude, mais à part ça, c'est impossible. Genre, se faire bronzer au grand soleil, vous me direz en commentaire, je suis curieuse. Êtes-vous du style, genre, à vous faire bronzer au plein soleil à 35 degrés? Si oui, j'espère que vous buvez de l'eau. Sinon... misère, la gang, misère. Donc, sinon, c'est pas mal ça. On dirait que je vous dis rien du tout, mais c'est pas grave, regarde. Vous aurez vu ma petite face pour quelques minutes dans ce vlog. Et on en recommencera un prochain quand je fais des choses plus palpitantes. Mais en même temps, regarde, c'est ça ma vie des fois. Puis, c'est ça que c'est. Donc, sur ce, je vais attendre que ma pizza cuit. Je vais couper des petits morceaux de concombre. Et ça va pas mal être ça. Je vais aussi aller marcher Molly, je crois, ce soir, là, mais je vais attendre qu'il fait plus froid. Ok. Je dirai pas trop fort. Je vais arrêter de me lamenter. Hola, hola! Bienvenue dans mon petit lundi. On se retrouve le lendemain. Et à chaque fois que je mets cette petite robe-là, on dirait que je me sens bien, j'ai de l'air de me marier. Donc là, il est 3h20. Je voulais vous apporter avec moi, comme... je voulais apporter ma caméra, puis jaser, comme dans les petits parkings. Parce que je m'en allais
dans une petite roadie with myself, mais je vous ai oublié. Puis quand je parle trop longtemps, genre sur mon téléphone, j'ai tout le temps la misère à comme exporter mes vidéos, là, je sais pas vraiment pourquoi. Mais je vous ai montré des petits bouts de où est-ce que je suis allée dîner. Je suis allée manger au Café Maristella. Vraiment bon si vous allez à un moment donné à Boca Raquel. Moi, j'adore prendre les nacho thai. Ils sont vraiment bons. Puis là, la fail que j'ai faite. Moi, dans ma tête, là, comme quand je demande un café, dans ma tête, il y a un café, c'est un café glacé. Comme moi, dans ma tête, tout le monde boit des cafés glacés. Surtout quand il fait 35 dehors. OK? Je vais essayer de pas en parler, mais la gang. Tantôt dans le char, j'enfilais mal. J'avais plus d'eau. J'étais comme, I need some water, please. So là, moi, dans ma tête, au moins de là, j'ai commandé un chai. J'étais comme, un chai latte. Mais dans ma tête, il allait glacer, il arrive à table. Une grosse tasse, bien chaude. J'étais comme, c'est impossible. Là, moi, doudou mine, je voulais pas, tu sais, comme, non, je voulais glacer. Tu sais, c'est clairement moi qui l'a pas dit, là. Donc là, j'étais comme, quand la petite fille est venue m'apporter mon nacho, j'étais comme, je pourrais avoir un verre de glace, s'il vous plaît. Elle était comme, avec de l'eau, j'étais comme, non, juste la glace. Et je me suis fait mon propre chai glacé. On va pas se le cacher, c'est pas le meilleur parce que c'était juste dilué de glace. Mais tu sais, c'était quand même bon, ça m'a satisfait là. J'avais vraiment comme chaud. Donc un bon petit chai semi-glacé avec un nacho chai, un nacho thai, trop nom. Puis, plus que comme leur sauce thaï, comme quand même piquante, ça, là, j'avais chaud comme à la face. Moi, quand je mange des affaires chaudes, j'adore ça, vous savez. Mais j'ai de la chaleur qui me sort des pores. Donc là, j'avais comme, it was too much. Puis, sinon, après, je suis allée me chercher une crème glacée. Et après, j'étais de retour à la maison. Mais la raison initiale pourquoi j'allais dans la péninsule, c'était pour aller pour... l'essai 2, genre, de ma robe, dans le fond, ben, mon premier essai, c'était à la robe, quand je suis allée la chercher, comme, à la boutique. Ensuite, je l'ai apportée à la madame. Là, elle a pris, comme, mes mesures, puis tout ça, mais c'est encore beaucoup trop grand. Ça serait vous mentir si je dirais que je commence pas à être sur les nerfs un petit peu. On dirait, dans ma tête, moi, j'aimerais que c'était, comme, tout fait, tout beau, mais, tu sais, je comprends, il reste un mois. Tu sais, il y a encore du temps. Oui, bonjour. Rebonjour, je parle avec ma mamie. Elle est en train de me parler des petites choses. Elle m'a envoyé un message à une madame. En tout cas, par rapport au mariage. Bref. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je vous mentirais si je vous disais que j'étais 0-0 sur les nerfs. Mais là, tu sais, quand je vais savoir que ma robe va me faire, je vais être bien. Mais, c'est comme maman a dit ce matin. Ben moi, j'aime quand ma mère est avec moi dans ces affaires-là. Puis là, elle était pas là. So là, j'étais toute seule. J'essayais de voir si j'aimais ça. Puis je me garde dans le miroir. Je savais que j'aimais pas ça. Mais tu sais, comme. Moi, je veux pas être comme. Je voulais être comme doudou. Tu sais, je voulais mes bretelles d'une telle façon. Là, elle les avait cousues d'une telle façon. En tout cas, vraiment fine, elle va me les changer. Mais c'est juste que moi, je suis vraiment, comment dire, perfectionniste. C'est comme un défaut. Une qualité et un défaut. Mais à la soirée de mon prom, le genre du secondaire, j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, juste comme mon prom était exemple demain, comme à soir, j'aurais braillé toute la soirée, je sais, Marie, oh non, je l'aime pas, oh non, mais là, je l'aime pas, oh là, j'ai du bourré qui sont ici. Et là, je pleurais. Il n'y avait rien qu'on n'avait pas fait pour cette robe-là. Finalement, j'avais l'air d'une princesse. J'étais assez belle, j'ai pas peur de le dire. J'étais vraiment belle. J'étais glitter, j'avais une belle robe rose, genre j'avais l'air à Rapunzel. C'est une belle robe rose. Donc, ma mère a dit, garde, je m'attendais à rien de moins que t'allais faire la même chose pour ta robe de mariée. Donc, j'ai hâte de voir, mais ça va bien aller. Là. Puis, si jamais, ben, garde, maman, elle rapetissera sur les côtés après. On verra. C'est un gars, la seule affaire qui me stresse, c'est que. Je marche avec Molly, hein, so much, comme... Là, ça veut dire de la dernière fois, j'ai peut-être encore perdu un petit peu de bédaine, mais je fais pas pour. C'est juste là, je vais rester immobile jusqu'au mariage, je suis comme malaisant. Donc là, j'ai peur d'aller marcher avec Molly. Ça a peut-être l'air niaiseux, mais c'est comme quand même un petit peu stressant. Je sais pas. On verra, donc là, je vais aller une autre fois, dans deux semaines.
Puis elle a dit qu'elle peut encore me prendre après. Il y aura encore assez de temps. Tu sais, elle veut pas, là, mon mariage encore d'un mois, là. C'est un gars, dans 2 semaines, c'est le 14. Là, dans 2 semaines après ça, ça va être, là, comme 20 quelque chose. Après, ça va être proche. Je veux pas le temps, ça passe comme ça. Donc, c'est certain, si vous avez passé par ces étapes-là, c'est des petites choses qui vous arrivent à vous aussi. Mais j'étais comme ça au prom. Ça, je peux imaginer, je vais être la même au mariage. Puis, il y en a des fois, je vois sur TikTok, là, ils sont rendus à genre comme le 8e essayage, puis 8e fitting, puis des affaires de même. Je suis comme, aïe aïe. On va espérer que la prochaine fois, ça sera mieux. Et c'est ça. Donc, j'ai hâte de voir. Puis, c'est ça. Moi aussi, j'ai comme une... Moi, j'ai vraiment comme une petite poitrine. Puis là, mes les coussins, genre, dedans sont comme beaucoup comme gros. Puis là, ma mère dit, je capote. Elle dit, il n'y a personne qui voit ça. On dirait, je me sens comme... Je me sens comme si j'ai rien. En tout cas, je me mettrai des Kleenex pour la journée de mon mariage. Si vous me croisez sur le bord du chemin, là. Puis, ben, ça, dans le fond, je vais faire. Tu sais, tout le monde va brailler. Si moi, je pourrais mettre plein de Kleenex. Je pourrais les sortir. On pourrait s'essuyer les yeux. Bon, ben dans le fond, je vais arrêter de dire des foleries. C'est juste, c'était comme un trop plein d'émotions, là, ce matin. Mais quand je la mets à chaque fois, je la trouve belle. Puis là, il manque quelque chose aussi qui va rajouter une petite touche. Mais j'ai vraiment hâte qu'elle soit comme à ma taille. Je veux qu'elle me... Ouh! Qu'elle me pogne. Je sais pas comment l'expliquer, là. Mais en tout cas, la madame a compris. Puis, donc c'est ça. Je pense que je vous ai comme donné, je vous ai tout dit. J'ai dit qu'il y a les bretelles étaient là, puis là, je voulais... OK, en tout cas. J'ai peut-être dit que j'avais des bretelles. Peut-être pas de ça. Mais bon. Sinon, à part de ça, c'est tout. Ce soir, on va manger des petits hamburgers défaites. On dirait dans le vlog, c'est tout du manger que je fais tout le temps, on dirait. Ça juste, ça donne comme ça. Quand il fait trop chaud moi-même, là, je vais pas me lancer dans les recettes. Puis essayer des nouvelles affaires, c'est impossible. Ce soir, je vais faire des petits hamburgers de fête. Je sais que Francis aime ça. Ça va être frais. Ça va être bon avec une bonne petite salade César. Et ça va pas mal être ça. Mais petit plan, je voulais aussi aller au Canadian Tire pour que je puisse commencer là, des petites décos. Mais j'ai besoin des gros pots maçons. Mais il y en avait. Ben, le Canadian Tire ferme aujourd'hui. C'est la fête du Nouveau-Brunswick. Et en passant, je suis allée chercher mes fleurs. Notre moment. Aujourd'hui. What a good day. C'est une belle journée comme wedding prep. Mais pour vrai, c'est magnifique. Genre, c'est... Ils sont tellement belles. Genre, je capote. Ça va juste être trop beau. Je peux plus. Donc, sur ce, je vous laisse. Je pense que je vais peut-être aller commencer des petites choses de mariage avec les pots maçons que j'ai ici. Alors, j'en ai déjà à la maison, des gros pots maçons. Puis, j'en acheterai d'autres. En tout cas, ça y est au même. Mais c'est ça. Sur ce, on se parle plus tard. Bonjour Molly. Tu dis-tu allô aux amis? Bonjour. Bonjour. On dirait que ça fait longtemps qu'elle vous a pas fait un petit coucou. Mais on se retrouve un peu plus tard. Et c'est l'heure, la gang, du skincare. Skincare time. Et là, je me sens comme folle. Je sais pas si j'ai le droit de faire ça. Je peux-tu me faire 2 masques? Allez-vous dire que je suis crazy? Oh, c'est-tu un nouveau mascara? Oh, j'ai-tu un nouveau mascara? Ou c'est un vieux? Ça a l'air un nouveau? Oh, wow! J'en cherchais justement un. Je me suis trouvé un nouveau mascara, la gang. Moi, mon mascara, c'est à la Lash Paradise. Puis, le dernier que je m'étais acheté, c'était pour quand je suis allée pour mon bachelorette. Mais j'ai comme genre comme twisté la brosse où il fonctionne pas bien depuis. Mais là, je me souviens à cette heure d'avoir mis ça là-dedans. Ça fait longtemps. J'ai envie de me faire 2 masques. J'ai envie de me faire un masque pour comme me décrasser la face. Ça fait longtemps que je me suis pas fait un bon masque pour mes pores et tout ça. Mon masque préféré pour ça, c'est celui de Arbonne, le Rescue and Renew. Mais là, en ouvrant ma petite pochette, j'ai vu que j'avais eu un échantillon. Quand j'étais allée au Jean Coutu, c'était le Vichy, peau sensible, souplesse restaurée, peau lissée,
temps unifié. Mais là, j'ai le goût, moi. J'ai le goût d'avoir une belle petite police. Bon, je pense qu'on va faire un masque pour... comme ça. Oh, puis es-tu brisé? Gardez dans le côté, là, parce que je vais mettre le masque dans le visage. Mais ouais, sinon, nos hamburgers étaient bons. Puis, hop. Le Francis à la maison, il peut relaxer. On est en train d'écouter un petit film. Moi, ça me tentait de me faire un petit masque avant d'aller m'asseoir avec lui. Puis après, ça va être America's Got Talent. On l'a pas écouté, celui de la semaine passée. Et on aime bien ça, écouter ça. En parlant de quelque chose que j'ai aimé dans la drive pour aller dans la péninsule, j'avais déjà écouté celui-là de Kiss Me. Mais là, je me cherchais un moment pour les écouter. Donc, c'était le moment parfait. C'est le nouveau podcast à Flavie, la propriétaire de Milk & Co. Milk & Co, en tout cas. Moi, c'est... Oh! Malaise! Ok. Ma petite brosse a juste pris le temps, le prix des champs. Mais c'est ça, moi j'ai découvert Flavie puis sa compagnie sur TikTok. Puis dans le fond, c'est un podcast. Cool. Je suis en train de vlogger puis me faire un masque. Vas-y. Ça va aller dehors. Ton tour. Puis, c'est ça, donc moi, dans le fond, c'est, j'ai découvert ce TikTok, puis j'aime bien le suivre, puis dans le fond, c'est un podcast sur, avec tous des entrepreneurs de petites, moyennes, puis quand même grosses compagnies. Puis, c'est ça, donc là, j'avais écouté celui de Kiss Me, c'était super intéressant. Après, tantôt, j'ai écouté celui de Pixie Who, donc de Joanie. Après, j'ai écouté... celui de Rosie de Self Care by Bloom. Puis j'ai eu le temps aussi d'écouter mon premier que j'ai écouté ce matin, c'était celui de Brandon McCann. C'est lui, c'est comme qu'elle disait, c'est pas comme une entreprise, mais tu sais, il parlait des réseaux sociaux, puis je veux pas, ça fait qu'il travaille autonome. Donc ça rentre un petit peu là-dedans. Puis il parle comme de genre comment ils ont commencé le business, puis les pires choses qui arrivaient, ou comme des conseils, ou comme. Il parle des créateurs de contenu, il parle vraiment de toutes sortes d'affaires. Il y a un petit segment Tell the Tea, so des fois il y en a qui se disent des choses, puis ouais, j'ai comme vraiment aimé ça. Puis j'avais vraiment aimé celui de Kiss Me, donc j'avais hâte d'écouter les autres. Puis c'est comme toutes des petites entreprises, mais je dis petites juste parce que comme ça fait plus ou moins un an, deux ans, puis il y en a que... à peu près ce temps-là, genre, qui sont en affaires. Puis, ils commencent un peu. Mais je trouve ça vraiment nice parce que je les ai toutes découvertes sur TikTok. Puis, j'aime beaucoup les suivre, là. Surtout, j'adore le compte à... si vous voulez aller voir, là, sur TikTok, là. C'est Self Care by Bloom. Puis, elle monte tout le temps, genre, comme... elle, elle a un salon d'esthétique. Puis, en plus de ça, elle a sa compagnie, genre, de... elle commence à faire des blushs en crème, des lip gloss, des huiles. J'aimerais beaucoup avoir son huile pour les lèvres. Là, elle vient de sortir un produit pour les sourcils. Elle a des bijoux. Mais en tout cas, je la trouve tout le temps flawless. Elle est tout le temps belle sur TikTok. Puis elle montre tout le temps genre comment elle se maquille. Puis elle montre tout le temps genre comme ses must-have, comme au Jean Coutu. Family Prix, en pharmacie, Walmart, au Dolo. Donc, elle donne beaucoup de trucs, genre, elle donne tout le temps comme ses, ben, ses favoris, genre. Puis, c'est ça, j'aime beaucoup la suite. J'ai vraiment aimé son podcast avec Flavie. Flavie, elle a super cute aussi. Ben, en tout cas, j'ai vraiment aimé ça. Puis, ouais, donc c'est beau, tu sais. J'écoutais ça, tu sais, c'était inspirant, tu sais. C'est beau de voir des jeunes, je veux pas, ils ont comme tout mon âge ou même plus jeune, se lancer en affaires, tu sais, pas savoir trop. Ah, j'ai écouté celui aussi avec. Avec Iseux de, ben genre, Gamine Vagabonde, si vous la suivez sur Insta, mais c'est Iseux, de Moonday, donc j'ai pas fini encore, c'est le dernier que j'ai écouté.
Mais c'est ça, c'est beau de les voir, genre, aller là-dedans, puis de voir que c'est pas tout le temps facile, puis je sais pas, je veux pas me partir une business demain, c'est zéro ça, là. Il y a déjà mon bébé assez qui travaille fort. Mais je trouve ça intéressant, c'est tout le temps quelque chose comme, je trouve ça nice, tu sais. Surtout quand c'est des jeunes, surtout quand c'est des femmes, ah ouais, go girls. Mais ouais, donc c'est vraiment nice, puis en plus, on dirait, je parlais avec mon bébé pour souper, puis on dirait, c'est beau, je trouve c'est beau, genre, que quand je vois les gens autour de moi, comme faire des choses, comme, vraiment nice, puis comme, ils sortent de leur zone de confort, puis comme, quand ils travaillent fort pour quelque chose, comme, tu sais, il y a quelque chose qui arrive, comme, au but. Et comme, là, c'est drôle, là, je vais donner un exemple, là, il y a peut-être des gens qui vont, ben, je pourrais dire son nom, dans le fond, ça ferait plus de followers. Si jamais vous ne connaissez pas. C'est juste en cause, c'est un de mes amis de l'école. Bonjour, si tu passes ici, petit Joey. Mais dans le fond, c'est un de mes amis de l'école que j'ai gradué avec. Mais genre pendant la pandémie, je sais pas si elle a commencé ça pendant la pandémie, mais je pense comme tout le monde sur TikTok. Là. Il est infirmier, puis il a commencé à faire des TikTok, genre, mais comme le connaissant, il a commencé à faire ça comme en joke, je pense. Mais genre, c'est pas vraiment bien son affaire, là, comme, c'est vraiment nice. Comme là, il est parti à New York avec CeraVe, genre les produits CeraVe, comme ils l'ont envoyé en press trip. Tu sais, j'ai envoyé un message, c'est comme, trop nice, oh my god, good for you. Tu sais, c'est malade quand tu y penses, là, c'est quand tu commences une petite affaire demain, tu t'attends jamais. Comme lui, quand il a commencé, exemple, 2 ans passés, là, j'y parlerai demain, pas mal sûr, il pensait pas que CeraVe allait l'envoyer à New York. Là. Ben là, il est à New York puis il mange des fruits de mer avec la gang de CeraVe. Comme il veut rien savoir. Ça, je trouve ça trop nice pour lui. Puis, tu sais, c'est fou, là. Ça, c'est juste pour dire n'importe qu'est-ce que vous pouvez, comme vous pensez, que vous voulez commencer, ça peut vous amener quelque part. Genre, on n'a aucune idée. Tu sais, c'est fou pareil, là. Comme moi, quand j'ai commencé mes vlogs, là. Jamais j'aurais cru que j'aurais eu, exemple, des produits, des petits cadeaux, des affaires. Tu sais, veux pas, c'est fou, là, ce que je vis grâce à vous autres, grâce à mes vlogs, grâce à, comme, tu sais, le temps, veux pas que je mets là-dedans, tu sais. Oui, vous êtes gentils de me suivre, mais comme exemple, moi, tu sais, veux pas, j'ai comme une petite part des choses pareil. Tu sais, je ferais pas de vlogs, il y aurait pas de monde qui me suit, tu sais, c'est comme un cercle, là. Faut que je commence à en faire pour que, comme, là, il y a du monde qui me suit, pour, là, comme, notre belle petite communauté, tu sais, comme, ma petite Noom Noom Gang, pourrait dire. Mais c'est ça, tu sais, dans le fond, c'est fou, là. Jamais j'aurais pensé que, comme, tu sais, là, cette semaine, je parlais avec mes amis, genre, mais je capote, je peux pas, ben, je pourrais vous dire, en tout cas, vous verrez quand je l'aurai, là. J'ai une compagnie qui m'a envoyé un message, comme, je comprends pas, là. Je comprends pas, je capote genre sur leurs produits, puis ils m'envoient genre un de leurs produits de leur nouvelle collection qui sort mi-août là, donc vous verrez sûrement ça là. Donc c'est fou, c'est comme des petites affaires de même au quotidien, je suis comme oh my god, c'est-tu réel genre hein? Mais ouais, donc je sais pas, j'écoutais les podcasts puis on dirait que c'était comme inspirant, puis on dirait que je m'y mets à penser à plein de choses, puis c'est ça. Donc c'est fou pareil, c'est pour, juste pour dire que comme ça avait moins vraiment le goût de faire quelque chose comme juste comme do it là, tu sais. Je voulais dire juste pis just en même temps. Just do it. Mais c'est fou. Vraiment là. Mais dans le fond, c'est ça mon masque là. Tout ça qui comme ça, c'est comme genre l'huile là dans ma peau là, ou comme les cochonneries. Ouh, super. Mais sinon, c'est pas mal ça la petite gang. Je vais terminer sur mon petit skincare. Je vais terminer ça ici. Puis, dans le fond, c'est ça après. Je pense que je vais essayer de me faire ce masque-là. Pourquoi pas? Ensuite, je vais me mettre la petite eau de Omi parce que je m'en mettrai 1000 fois par jour. Sinon, ensuite, je vais me mettre la crème de nuit de Omi. Là, j'ai toujours mon code. Si jamais, Mylène 10. Et je vais me beurrer les babines tout de suite de la neige. Il y a un nouveau qui a sorti au mangue, je crois. Je l'ai pas encore senti, essayé. Mais si jamais vous me demandez, mon préf, c'est celui aux pommes vertes. Puis moi, là, j'adore, comme, là, vous voyez peut-être pas, là, mais je commence à avoir de la difficulté à parler, là. Quand j'ai de la difficulté à parler, c'est parce que je sais que mon masque travaille, j'adore. Mais ouais, donc c'est ça, je vais vous conclure le vlog ici. Merci de m'avoir suivi dans mes petits moments en fin de semaine. Et
C'est ça, c'était zéro. J'étais en train de commencer le montage, c'est zéro le vlog le plus, comment dire, entertainant, mais en même temps, ça prend des petits vlogs comme ça. Hein, on n'a pas tout le temps des activités plein la tête, mais sinon c'est ça, dans les prochains vlogs, je sais pas quand je vais vous vlogger là, mais ça va être des petits DIY de mariage, je pense pas vraiment que je vais vous les montrer, mais je veux dire comme, en gros dans ma semaine, si je vous dis un gros survol, faudrait que je commence à faire des petits pots maçons, mettre des fleurs dedans. Ensuite, faut qu'on va chercher quand tout va se régler au magasin, puis qu'il va y avoir plus d'employés que Francis pour prendre une journée de congé. Faut qu'on va chercher notre licence de mariage. Ensuite, continuer mes tables. Là, j'ai trouvé deux personnes. On avait comme deux choses à faire le soir. Sur là, il y en a deux. On a trouvé nos deux personnes. Puis, c'est ça. Veux, veux pas, ça avance. On est déjà le 1er août. Et en plus, dans le mois d'août, c'est la fête à mes deux besties. Faut comme. Je m'assure que comme les petits cadeaux sont prêts, les petites affaires. En tout cas, je vais me faire une petite liste des choses que j'ai à faire cette semaine. En plus, ce soir, je peux écrire pour la première fois dans mon agenda. Genre, je capote, je peux pas croire. Je vais aller sortir mes petits Sharpies. Puis, ouais, donc je vais m'amuser à mettre des petits collants et tout ça. Et ça va pas mal être ça. Il faut aussi, là, ça fait mille fois que je vous dis, il faut vraiment que je vais apporter mon papier... de police, là, mon attestation, là, pour dire que je suis une gentille fille pour travailler. Ça fait juste mille fois, je vous dis. Mais on dirait que ça me tente pas juste d'aller en ville juste pour ça. Donc, je vais attendre. J'ai besoin des petites commissions cette semaine. Je vais aller. À quel point vous avez besoin de savoir que je dois vraiment faire ça, je sais pas. Mais c'est qu'on dirait que à chaque fois que je vous dis, je me dis, ok, Lomine, tu l'as dit, il faut vraiment que tu vas. Hein, j'ai un... J'ai un... Que j'ai là? J'ai un traceur. J'ai un petit eyeliner de L'Oréal avec comme une éponge. Je comprends pas. Je me rappelle pas la dernière fois que j'ai mis un eyeliner. Avant, là, je faisais tout le temps comme une petite ligne. J'avais... Oui, chat. Merci. Bienvenue. Tu vas-tu au Petro-Petro ou à l'entrepôt? Non, je vais vous amener déjà des cases de sécurité. Ah, ok. On a-tu des popsicles? Avant que je commence à parler français, je disais que avant, dans mon jeune temps, je me faisais tout le temps deux petites lignes, là. Et ça fait mille ans que j'ai pas fait ça. On dirait qu'il faudrait que je fasse ça à un moment donné. Ok. Zéro rapport. Je vais arrêter de vous jaser. Merci de m'endurer et d'écouter mes petites foleries au quotidien. Ça me fait bien plaisir. Puis, c'est ça. Donc, cette semaine, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, de prendre du temps pour vous. Puis, c'est ça, de faire attention à vous. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et moi, je vous dis bye!